Eh bien, bonjour à tous, c'est Willy Gemod et bienvenue, très chers amis, dans le 28e épisode de Space Engineer, où, comme vous voyez, je suis toujours dans mon petit vaisseau. Dans mon petit vaisseau, alors je tiens à remercier... putain, j'ai oublié son nom. Oh, c'est pas vrai. Ça commence vachement bien, mais je te... Eh merde. Bref, disais-je. Disais-je donc, j'ai zappé son nom. Celui qui se faisait appeler anciennement Jean-Pierre, je crois, ou Jean-Paul. Jean-Jacques, un truc qui commence par Jean, je sais plus exactement lequel. J'ai zappé son nom, je suis navré. Malheureusement, donc voilà. Et il m'a dit en fait que pour le capteur, ça fonctionnait pas vraiment. Ah oui, c'est vrai. Je suis con. Hein. Pour le capteur, ça fonctionnait pas comme je l'ai fait, parce que le premier slot sert à éteindre tout, et donc le deuxième slot sert a priori à autre chose. Ça sert pas à ce que j'ai fait, en fait. Donc attendez. Hop, juste, excusez-moi. Oups. Attends, c'était éteint. C'était éteint, c'est quoi ce délire? Alors pourquoi est-ce que ça m'a zigouillé la gueule? Je suis pas logique, ce truc. Bref. C'est bien, j'ai de plus en plus de munitions à force de mourir, c'est génial, hein. Moi, je dis oui, hein. Bref, attendez, je vais faire un truc, veuillez me pardonner. Alors, voyons voir, meuleuses qui sont là, et donc les soudeuses qui sont juste en dessous. Voilà, on va faire un groupe meuleuses et soudeuses. Hop, voilà. Ensuite, on fait ça comme ça. Non. Ratata. Panneau de config, le capteur. Gérer les actions. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Et donc, dans les groupes, meuleuse et soudeuse, on met tout en off. Voilà. Comme ça, dans la logique, là, même si jamais j'active les deux, tout s'arrête. J'ai subi un peu de dégâts, mais tout s'arrête. Donc, c'est très bien. Oula. Oula, c'est pas du tout censé se... Oh, d'accord, en fait, ça se réactive quand je suis loin. C'est quoi ce délire? Mais c'est une arme de mort, ce truc. qu'est-ce qui se passe? J'ai dû faire une connerie. J'ai dû faire une grosse connerie, veuillez me pardonner. Voyons voir. Tac, tac, tac... Non, le capteur. Ah, je suis con, j'ai mis désactiver le bloc on-off, je suis sûr. Qu'est-ce que je disais? Voilà, désactiver le bloc off. Parfait. Donc là, pour le coup, ça fonctionnera beaucoup mieux. Parfait. Et donc là, ça ne se réactivera pas. Ouais, je me méfie quand même parce qu'on ne sait jamais. Alors, autre petite chose qui m'a été dit, et donc que je trouve particulièrement intéressante, c'est que quand on est dans le cockpit, et donc on fait CTRL-G, Builder Mode On. C'est-à-dire que là, je peux accéder à tous les blocs de construction. Ah, oh, mais c'est terrible ce truc. D'accord, c'est bon à savoir, parce que ça, moi, je l'ignorais. Je l'ignorais. Donc là, si je fais CTRL-G, il est en mode off. Ok. Mais attends, ça veut dire que je peux toujours construire hors du... Oui, a priori. Si jamais je regarde. D'accord. Donc je peux tout même construire hors du truc, même si je suis en builder mode off. Cela dit, quand je suis en builder mode on, et que je suis dans le véhicule, ça m'évite de sortir et tout. Oh, c'est génial ce truc. Donc on va faire un truc. Hop. Toi, tu viens là. Alors, j'ai peut-être raconté une connerie. Dans le précédent épisode, on démantèlera pas peut-être ma base tout de suite. J'ai d'autres projets à faire avant. Vous inquiétez pas, vous serez tenu informé. Mais on la démontrera pas tout de suite parce que j'ai besoin qu'elle reste entière pour le moment. Si jamais je veux construire des trucs avec l'assembleur ou comme ça, il faut bien que ça reste un peu. J'ai rien casé. Non, j'ai rien cassé, tout va bien. Hop. Hop, là, attendez, parce que... Voilà, tout ça, ça dégage. La suite.
YOLO, YOLO. Oh, attendez, la vue extérieure quand même. Je sais pas pourquoi je t'en viens les couilles. Mais attends, mais j'ai fait un truc d'atterrissage ici pour le dédale. Mais vu que le dédale est pas là, j'en profite de ça. Sachant que le dédale va redescendre, hein, bien évidemment. Ah, non, non, fais pas ta pute. Pas ta pute, voilà, c'est bien. Alors, pour ce qui est de la course que j'ai prévue avec Pietro, sachez que ça va se faire. Cela dit, Pietro, pour le moment, n'est pas dispo. Eh bien oui. Et donc, de ce fait, vu qu'il n'est pas dispo, je suis obligé de tout faire sans lui pour le moment. Donc, je continue mon aventure et quand il sera là, on fera la course. Hop, ok, alors. Ok. Donc, on va démonter tous les. Tous les, comment dire. Les propulseurs. C'est quand tu veux. Ça, je t'en prends un peu le moins. Ok. Bon, je vais les désactiver au fur et à mesure parce que je sens bien la connerie que j'enlève des trucs que je dois pas enlever. Hein. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je me connais. Ok. Ça, c'est bon. Vachement pratique ce petit truc. Hein. Moi, je. Alors, pour ce qui est des publications sur le workshop, j'ai été conseillé éventuellement pour mettre. Donc, pour décocher la case exploration. Le problème, c'est que j'ai essayé de le faire et que ça ne fonctionne pas. Donc, vous m'envoyez navré. Mais pour le moment, mes publications ne peuvent pas être mises sur le workshop. J'ignore pourquoi. J'ignore totalement pourquoi. Pourtant, mon ordinateur a rien de spécial hein, comparé à d'autres. Mais je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. À mon avis, le. Oh putain, mais merde! C'est quoi qui a pété? Ah, puis en plus une soudeuse. Le bon, mais écoute, vas-y. En plus, il travaillera toute seule. Voilà. Je vais la reconstruire. Je vais la reconstruire. Vous inquiétez pas. Voilà. Celle-ci, elle est abîmée ou pas? Bah non, c'est seul à 100%. Pourquoi ça se pète aussi facilement? C'est pas logique ce truc. Moi, je dis merde à la fin. C'est arrêter de me faire chier. Voilà, et puis tu vas me la mettre à la couleur que j'ai dit, s'il te plaît. Mais. Besoin de plaque d'acier, d'accord. Mais ça, c'est un convoyeur, on peut pas accéder au convoyeur comme ça, je suis débile. Plaque d'acier, plaque d'acier, plaque d'acier. Ok, on va se prendre ça. Il faut des petits tubes d'acier, je suis bonne mémoire, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Je crois qu'il faut ça en fait, c'est tout. Non, il faut des composants de construction, évidemment. Chose que j'ai zappé parce que je suis un boulet. Alors oui, je suis un boulet extrême, hein. Vous avez vu dimanche mon live. Donc dimanche pour moi c'était il y a quelques heures, hein, étant donné que. Ben voilà, je boulet. Hein. voilà, je tiens à vous dire, mon. Vous verrez mon live demain, mais vous allez mais rigoler. J'ai été. Mais la pire des merdes qui puisse exister sur cette foutue planète. J'ai joué, mais comme une bille. Comme un débutant. C'est ridicule. Ah, mais c'est ridicule, mais oh, à souhait. Vous allez tellement rire, ça fait juste aucun sens. Je vous le dis. Je vous mens pas, hein, croyez-moi. C'est bon? Non, c'est bon, tout fonctionne. Ok, donc maintenant on va aller de l'autre côté pour démonter le reste tout de même. Ah, je suis lourd. Hein. Là, je suis extrêmement lourd. D'ailleurs, parce que c'est lourdingue de tout le temps casser les trucs sauvegarde. Voilà,
Vous me connaissez, hein, maintenant, mon moyen sauvegarde, une grande histoire d'amour. Bref, vous connaissez depuis le temps. Ok. Tout droit, s'il te plaît. Bah non. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne veux point démonter ce que je t'ordonne? Ah si, voilà. Faut juste s'approcher, c'est tout. Pas trop s'approcher non plus, parce que... Voilà. Hop. Doucement, doucement. Pas ta pute, pas ta pute. Parfait. Magnifique. Ok, donc ça c'est fait. Alors maintenant que tout ça est fait, cette base-là, je commence à la démanteler, hein, mais uniquement les parties qui me paraissent importantes, si je puis dire. Hop. Juste, j'aimerais me. Oui. J'aime pas démonter un bloc par accident. Assez précis, hein. Assez précis, mec, cette petite bête jungle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc en builder mode on. Voilà. Et donc, je vais. Hop, tout ça. Putain, la vache, c'est blindé, c'est une blague. Hop, voilà. Donc, je vais prendre un bloc. Voilà. Et donc là, je peux le placer comme je veux, en fait, c'est ça. Ah, mais attends, je suis pour m'écraser quand même. T'es sérieux? Pourquoi ça le place pas? What the fuck is that shit? Faut. D'accord, mais enfin, si je clique pas, ça fait aucun sens. Attendez. Contrôle G. Faut peut-être allumer des soudeuses d'abord. C'est possible, hein, c'est possible. Après, je dis pas. Hein. Je connais pas ce mode de construction. Donc, ça se trouve, c'est bien, faut le faire comme ça. Hein. Numéro 1. Voilà. Et donc, attends, j'avais pas un. Ah! J'avais pas un curseur il y a 3 secondes. Ah oui, je me disais aussi. Alors, je sais pas, je clique. Je clique et je clique et je clique encore, mais rien ne se passe. Je clique et je clique et je clique encore, mais visiblement je peux me faire enculer par les mouches à merde au Brésil, ça fonctionne. Bon. Ou alors si jamais ça fonctionne, je sais pas comment faire. Rester appuyé peut-être, non? Je sais pas, je sais pas. Il a décidé de me troller. Non, 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 tu vas te faire enculer, ça fonctionnera pas. Donc bon, moi je dis oui, hein. Je suis pas contre toutes ces choses, mais pour le coup, je le ferai à l'ancienne. J'ai pas le choix. Hop. Ah mais attends. Contrôle G. Bah non, pourtant j'étais en builder mode on, je comprends pas. Je sais pas. Bref, pour extrêmement grave. Pose une plaque d'acier, non mais t'es pas sérieux. Non mais tu n'es pas le sérieux. Petit PD. Petit PD. Voilà, ouais, au moins ça, t'as le prix. Donc, hop. Vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Oh putain, c'est vrai. Contrôle G. Ok. 3. Alors, je sais pas comment ça fonctionne. Si jamais je fais des choses mal, j'en suis navré. Mince, construire celui d'en bas ou pas? Ouais.
Ok, donc ça c'est bon. Alors, peut-être que ça fonctionne pas avec les blocs simples. C'est possible aussi. Hein. Mais je vais essayer de mettre des propulseurs, des gros, on va voir. Numéro 2. Tu veux bien me les mettre ou pas? Non? Non? Oui, non, peut-être. On a rien à péter. Je pourrais très bien fister un lama, rien à foutre. Ok, je. Admettons. Ok, puisque c'est comme ça, tant pis, je vais le faire à la main. Hop, gros propulseur, ok. Donc on va en mettre comme ça. Et donc, comme ceci. Voilà. Donc là déjà, je sais que j'ai de quoi les construire. Hein. Ça pour ça, je m'en fais pas. Hop, on va en mettre un ici. Et un autre. Ici, nous sommes d'accord. Donc voilà, ça déjà je vais le construire. Oui, mais non. Oui, mais non. Non, non, non. Enfin, quoique, si j'ai pas besoin de propulseurs qui descendent. Donc ça va encore. J'ai aussi besoin d'un propulseur qui va dans ce sens-là. Voilà. De même que dans l'autre sens. Parfait. Voilà, pourquoi je fais ça? C'est pour contrôler ma base par la suite, parce que je vais faire une petite base en dessous. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Hop, bon, malheureusement, ça prend du temps, donc m'en voulez pro. Hein. Allez, ouais, vas-y, construis-moi ça. Ça devrait être un peu plus rapide à construire. Vous voyez, ça a construit par deux, c'est génial. Fait. Donc ça c'est cool. Alors oui, ça me revient à l'instant. Il me semble qu'on m'a dit que ça marchait en créa, mais que la personne qui m'a conseillé ça, donc j'ai zappé son nom, faut m'excuser, aujourd'hui c'est l'épisode de l'amnésie. Il me semble que cette personne m'a dit qu'elle ne savait pas si jamais ça fonctionnait en survie ou pas. Donc aussi bien ça se trouve j'ai tout fait bien, mais en survie ça ne fonctionne pas. C'est possible aussi. N'hésite pas à me dire en commentaire. Il est possible que je me plante. Après tout, je suis Willy Gémode, le roi des plantages en tout genre. Tatatat, j'ai besoin d'un gyro également. Voilà. Que je vais mettre ici, parce que fuck. On va construire un petit vaisseau, hein, après tout, il est là pour ça. J'ai bien activé mes soudeuses, ouais. Ouais, je vérifie parce que. Pour la brune à feuille, moi, avec ça. Ok. Donc là, déjà, ça devrait être nettement plus stable. Quand je vais lever ma base, vous allez voir. Il me semble qu'avec deux propulseurs, ça fonctionne. Pour la lever. Oh, deux propulseurs, je suis con, j'en ai encore deux ici. D'ailleurs, ils ont rien à foutre là, ces deux propulseurs-là, donc je vais les dégager. Doucement. Alors que je pense à le vider un jour ma soudeuse pratique parce que pour le coup soudeuse pratique n'a plus lieu d'être, ce n'est plus juste une soudeuse. Et merde. Maintenant c'est une soudeuse et une meuleuse. Voilà, parfait. Et donc l'autre qui est là. Oh putain, j'ai tellement l'impression que je vais m'écraser au moindre mouvement que je fais, ça fait juste aucun sens. Mais ça va, jusqu'ici je m'en sors pas trop mal, on va dire. Faut juste que je fasse gaffe à pas rentrer trop vite dedans, quoi, c'est tout. Okay. C'est bon. Alors maintenant je me pose. Ah, ça va, ça a résisté. Hop, j'éteins tout. Je sauvegarde. Oui, la sauvegarde, très très important la sauvegarde. Et donc je rentre par mon petit tunnel secret, qui est là. Ben, c'est pas vraiment secret, je vous l'accorde. Mais... Tada! Bah ben, qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, en fait je suis dedans carrément, pas de musique. Ok.
Je sais, j'ai déjà sauvegardé, mais bon, c'est jamais. Après tout, je suis Willy Gemode, le roi des fails en tout genre. Ah, mais non, mais t'es censé te... Mais fait quoi la gravité? Elle s'est barrée en steak la gravité ou quoi? Ouh, gravité! Non, mais je parle sérieusement, putain. Oh, la gravité! Youhou! Ok, il n'y a plus de gravité, la base s'envole. C'est un ridicule absolu! Ok, alors là, par contre, je crois que je vais être dans la merde. Parce que, aussi bien je m'envole, ça encore, ça peut le faire. Mais. Là, chers amis, j'ai un problème. Suis navré. Je pensais que les gravités suffiraient à me ralentir, mais même pas. Putain de merde. C'est pas grave, ça va pas assez vite pour me faire des dégâts. Alors. Vas-y, tu m'installes un autre gros propulseur, s'il te plaît. Non, mais t'es gentil, tu me l'allumes. Ah non, oui, d'accord, il est désactivé, je suis con. Voilà. Alors, tu me le mets. Non, pas comme ça, comme ça, voilà. Ok, c'est pas grave, tu me le mets là si tu veux, je me tape. Voilà. Bon, je sais, c'est pas du tout esthétique, ce sera supprimé, vous inquiétez pas. Ah, voilà. Parfait. Allez, go. On descend chercher mon petit vaisseau qui est à tout de même 500 mètres. Il y a un moment où je dis merde. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Ah, mon petit vaisseau, il est là. Ok, donc attention. Je sais pas pourquoi la gravité s'est barrée en steak d'un coup. Il y a des choses que je comprends pas sur Space Engine. Oui, non. Décollage! Elle est passée où ma base? Non, je la vois pas parce que. Je la vois pas parce que si on trefouillait là-dedans. Eh ben non, merde, elle est pas là. Bah merde, mais elle est passée où ma base? Youhou! Ma base! Putain, c'est une blague. Attends, ah non, attends, ça se trouve à tous les coups, elle est dans le secteur là. Je sais pas où. Non, c'est pour ma base, ça. Non, je crois pas. Oh putain. Ah bah non, je suis con, elle est au-dessus. Ok, chers amis, tout va bien, tout va bien. Je suis juste bourré, c'est tout. Pourtant, j'ai pas bu. Pour vous dire à quel point je suis bourré. Donc là, c'est-à-dire que si jamais je. Bah non, pourtant ça fonctionne pour ça. Pourquoi ça fonctionne pas pour ma base? C'est ridicule. Il y a des choses, des fois. Que la science ne peut pas résoudre, il faut croire. Alors là, ça mérite la sauvegarde suprême, parce que je vais essayer de construire mes deux propulseurs, mais sans que ça, enfin sans que je me freine, quoi. Vous avez compris. Donc oui, ça continue à monter, je sais. Alors, on active les soudeuses. Je t'ai pas demandé d'aller dans l'espace, toi. Faut juste que j'essaie d'aligner ma vitesse pendant que je construis, ce qui n'est pas une mince affaire pour moi, vous pouvez me croire. Oh oui, ça marche. Bon, maintenant, on va attendre qu'elle se stabilise. Elle est stabilisée. Mais non, attends, elle monte encore. C'est quoi ce délire? C'est plus censé monter là. Hein. Bref, c'est pas grave. On va construire la deuxième. Aïe, ça fait mal. J'ai rien cassé? Non, j'ai rien cassé, tout va bien. Ok. On va se poser sur la verrière, hein, parce que fuck. Voilà. Et donc. Nous allons donc la ramener en bas, cette salope. Elle avait pas à se barrer comme ça, sans me demander mon avis en plus. Je suis désolé, pour moi, ce n'est pas normal. Juste, je vérifie tout de même, hein, parce que je sais que je suis peut-être débile, mais.
Ah non, 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 il ne bouge pas. Je croyais qu'elle bougeait, mais non, elle bouge pas. Ok. On descend, s'il vous plaît. Et en douceur, me casse pas les couilles, je te préviens. Parce que je veux bien être gentil, mais il y a des limites quand même. Donc voilà, la base typiquement lunaire est devenue spatiale. Je me demandais pas pourquoi, j'en sais que dalle. Mais elle est tout de même montée d'un kilomètre 5, hein. C'est pas si mal. Par contre, un seul gyro, c'est peut-être un peu de juste pour commander une base comme ça. J'y pense. Faudrait que j'y pense, mais bon, étant donné qu'elle va rester en l'air, je m'en fous un peu en fait. D'être sincère. Enfin, elle va rester en l'air pour le moment, tout du moins. Ok, alors là, doucement. La base fait 2 tonnes 265. 2000 tonnes, pardon. 2265 tonnes, je vais pas y arriver. Tout se passe bien, tout se passe bien. Jusqu'ici, ça se passe. Hop. C'est plus facile à descendre qu'à monter, cette merde, non? Ça, je vous le garantis. C'est tellement long à descendre. Enfin, à s'arrêter, j'entends. Ce qui est bien, c'est que là, au moins, je peux la trimballer dans une direction ou dans une autre. C'est pour ça que j'ai mis tous ces propulseurs en haut, d'ailleurs. Doucement, petit, doucement, tu fais pas la conne. Tu fais la conne, mais comment je vais t'incendier, mais d'une puissance, t'as même pas idée de ce que je vais te faire. Alors oui, je vais mettre des blocs de liaison. Tiens à le dire. Je vais mettre des blocs de liaison, mais j'ai mis les trains d'atterrissage. Pourquoi? Parce que c'était dans l'urgence. Au lieu que ma base s'en aille à 15 milliards de kilomètres avant que je la rattrape, et donc que tout ça se construise, j'ai pré... Oula, tu vas peut-être t'arrêter un jour, non? J'ai préféré, tout simplement, me faire un train d'atterrissage dans l'urgence. Vous inquiétez pas, je vais en mettre des blocs de liaison. Doucement, Philippe, doucement. Il y a rien que tu te décales de ce côté-là. Oh, ça va, ça te place plutôt bien. Alors, on va essayer de les mettre à peu près à côté, histoire d'eux quand même. Voilà, c'est assez à côté, je pense. Peut-être la tourner un peu. Oh putain, la vache, par contre, on a l'impression que ça tourne pas, quoi. Ce qui est le cas, en fait. Ouais, d'accord, ça tourne pas, c'est de la merde. Un seul gyro, c'est pas aussi. Par contre, si jamais je fais ça comme ça... Non, ça tourne que dalle. Ok. Un seul gyro, ce n'est pas assez. Ça me permet à peine de me remettre droit. Temps de carburant de 49 minutes, ça devrait aller. Pas ta pute, Philippe, j'ai dit doucement. Ok, là ça devrait être plutôt pas mal. Pouf. J'ai mis combien de tonnes là-dedans, durant? Ah ouais, 31 kilos, ouais, tu m'étonnes. Et par contre, ah oui, ah, ça diminue assez vite quand même. Ça c'est fort. Il va falloir que j'y remédie à ça. Mais merde, quel con, j'ai coupé l'enregistrement. Toutes mes excuses. J'ai coupé l'enregistrement durant quelques secondes, je suis navré. Hop. On va s'en prendre quelque chose comme 500 kilos. Ça devrait. Voilà. Je devrais avoir assez pour un moment, je pense. Oui, parce que ce serait tout de même idiot que ça tombe en rade de carburant alors que je fais tout pour que ce soit bien amarré par terre. Hein, soyons sincères. Voilà, 530 kilos, ça devrait aller pour un moment. T'en as pour combien de temps, là? 14 heures. Je devrais avoir le temps, je pense. Ok. Donc ça, c'est bon. Tu veux bien descendre, merci. Ok, alors. Ce qu'il va me falloir, maintenant, ça va être un cube de station. Sachant que tout serait gentil d'arrêter ça, merci. Alors, un cube de station juste ici. Parfait. Ok, et donc, les autres cubes qui vont suivre.
vont simplement faire une croix autour de la base. C'est l'idée au départ. Et vu que d'après ce qu'on m'a dit, les blocs de liaison... Oh putain la vache, c'est un peu de juste quand même. Je tiens à le dire, c'est même extrêmement juste. C'est ridicule. Ok, on recommence! Ok, il va falloir grimper un peu quand même. Le terrain n'est pas vraiment droit en fait, hein. Ouais, tu grimpes encore un peu. Voilà, merci. Tu fais pas chier sous peine que je te... Hein? Bref, tu m'as compris. Alors, mon bloc. Mon fameux bloc. Il est là. Ok, donc. Hop. Allez, on recommence. Oui, je spamme le bouton, hein, parce que fuck. C'est bon, je suis bientôt au bout. Ouais. Ok, ça va. On va faire ça là pour plus de sécurité. Ok, donc ensuite. Ah, le milieu, parfait. À savoir, à peu près ici. On va dire que c'est ça, hein, à peu près. Ouais, ça va, ça le fait. Et donc, de ce côté-ci. Allez, vas-y, construis comme si ta vie en dépendait, salope. Bizarre, j'ai pas vraiment l'impression que je suis au milieu. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, maintenant, on va se prendre mon petit vaisseau. Petit vaisseau qui est je ne sais où, d'ailleurs. Laisse-moi dire... Je l'ai pas laissé dessus. J'ai pas été un assez... Ah bah si, j'ai été un assez gros boulet pour le laisser dessus. C'est tout de même fort, ça. Ah bon, je vous jure qu'on est poés. La sauvegarde qui va bien, parce que je sens le coup venir. Hein. Hop là, j'ai zappé un truc qu'il va falloir que je rectifie de suite. Excusez-moi, très chers amis. Mais... Il est très important de faire ça comme ça. Bah qu'est-ce que... Oh putain, quel con, je l'ai foutu dessus, je suis débile. Yes, we débile. Hop. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ça comme ça? Parce que là, ici, là, ça va être un trou. Ça va être un trou, je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai l'intention de faire une galerie souterraine. Et donc, dans un coin ou un autre, peu importe, je ferai une base où il y aura tout plein d'assembleurs et tout plein de connecteurs qui obéiront aux ordres d'une, aux ordres d'un bloc de commande. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'au départ, c'est obscur et patati et patata. Et vous allez comprendre par la suite. Alors, des blocs de liaison. Ces conneries-là, comment ça se fait? Ça se fait avec pas grand chose, a priori, je pense que je dois tout avoir dans ma petite soudeuse. Donc, hop, nous allons en faire 4. Et apparemment, vu que ces trucs-là ne consomment pas d'énergie, pour moi, c'est parfait. Voilà, on va faire un comme ça. Hop. Histoire qu'on soit bien amarré, quand même, hein, faut pas déconner. Et donc, un quatrième. Dans ce coin-là. Parfait. Il est bien droit? Ouais, je pense qu'il est droit. Allez, on va tout construire maintenant. Et j'essaie de faire un truc un peu technique. J'expérimente, donc m'en voulez pas si jamais des fois je fais des fails. Hein, vous me connaissez quand même. Ça peut arriver. Sachant que si jamais vous avez des conseils, hein, je vous le répète, et je le répéterai jamais assez, je suis à votre écoute. Non, c'est de l'autre côté, moi j'ai. Oula, ouais, je commence un peu à racler le sol. Pas très cool tout ça.
Mais attends, fais pas le con, Philippe, parce que je voudrais pas me retrouver à casser le truc. Non mais sans déconner, c'est une blague. Oh, saloperie, hein? Putain, j'ai du mal. Non mais putain, mais quand je te dis de rester droit, connard, y'a quoi que tu comprends pas là-dedans? Oh bon Dieu, je vous jure qu'on est pas aidé. Tu vas rester droit, oui, mais c'est pas possible. Hein. Ils sont tous ligués contre moi, ma parole. Comme dans Rocket League, pareil. Et donc le suivi d'en dessous, très important. Ok, bon, j'ai dit très important, espèce de tête de mort de merde. Mais si jamais tu veux pas me le faire, ça peut s'arranger. Sache que je me laisserai pas démonter. Voilà, c'est tout. Bah, écoutez, pour le coup, je laisse construire le reste comme ça. Ouais, comment ça se construit rapidement ça? C'était pas aussi rapide avant. Ok, bah écoutez, pour le coup, on va juste faire ça comme ça, hein, on va pas s'emmerder. Bien coupe sans construction. Ok, donc ça, ce sera fait avec ta machine, c'est pas très grave. Hop. Voilà, tu joues juste d'avancer, puis ça se fait, c'est magnifique. Parfait. Donc ça, c'est bon. Alors, ensuite. Attendez, la prudence me dit tout de même. Je sais pas si à vous la prudence vous parle, mais enfin à moi elle me parle. Et donc, la prudence me dit. Non, ça va. Ça va, là c'est incrusté dans le sol, je ne crains rien. Parce que là, en fait, je vous explique. Si jamais ce bloc-là il pète, tout le truc va s'affaisser. Tout le truc va se casser la gueule. Tandis que là, étant donné que la bosse rentre dans le sol, ça va. J'aimerais essayer d'en mettre un autre. Ce serait possible, tu penses? Hein? Ah, Dieu, bon, oui, ce serait possible. Bon, oui. T'es un bon Space Engineer. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu bloques comme ça? Toi, t'es pour bien. Voilà, l'histoire de tout de même. Assurer mes arrières. Mes arrières de failure professionnel que je ne connais que trop bien. Hop! C'est le 3 pour construire. C'est bon. Hop, on se casse. On se casse, mais en regardant devant, de préférence. Et surtout, on se met en droit, de préférence aussi. Décidément, t'as des problèmes pour te mettre droit. Aujourd'hui, c'est pas possible. Construis ça, s'il te plaît. Merci. Ok, donc ça. C'est bon! Oula, oula, fais pas ta pute quand même. Pas ta pute, pas ta pute. Alors, le capteur, c'était une merveilleuse idée parce que pour le coup, à chaque fois, j'oubliais de s'éteindre. ok, alors, donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que on va en mettre d'autres, mais sur la base. Hop. Ça devrait aller. Normalement, vu que j'enlève du poids, ça devrait pas se casser la gueule, je pense. Hop. Ok, donc ça c'est bon. Alors attendez, je vais juste me vider mon inventaire tout de même. Mais non, mais quel con, je ne veux pas le remplir, je veux le vider, j'ai dit.
Oh, je vous jure, je suis paulouille. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, pour ce qui est de ceci, il va falloir que je descende. Que je descende ma base pour voir à peu près où les placer. Parce que sinon, ben, c'est pas drôle. Alors, peut-être que pour vous, ça vous prend 10 minutes, mais moi, c'est la première fois que je fais ça. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Hein. Oui, tout à fait, s'il vous plaît, je parle très bien anglais. Et alors quoi, il y a un problème? Vous avez un problème? Venez me le dire en face! Alors, il va falloir que je la pose avec délicatesse. Enfin, si je monte parler de délicatesse pour un paquebot de 2000 tonnes. Tiens, c'est curieux, ça avait plus 2000. Bah oui, non, je suis con, j'avais ma soudeuse qui était dessus. Voilà pourquoi ça comptait 2000. Ça va, j'ai l'air d'avoir à peu près bien visé. Doucement. Voilà, là en fait, je vais simplement poser ma base partout. C'est bon, c'est posé partout là. Là aussi. Là aussi. Moi, tout ceci se passe bien. Ah, sauf là, là c'est pas vraiment drôle. Là c'est droit. Ouais, non, c'est pas vraiment drôle non plus. Faut que j'essaie de régler ça. Et je suis désolé, chers amis. Voilà, parfait. Là pour moi, c'est bon. Donc là c'est bon. Ok, donc là je sais à peu près où il est placé. De toute façon, sur les quatre extrémités, c'est pas vraiment compliqué. Mais je voulais juste m'assurer que c'était bien aux bonnes dimensions. Hop, alors. On y retourne. Hop, alors. Taille, 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 taille. Il va me falloir des composants que j'ai bien sûr jetés dans mon coffre négligemment. Parce que je suis un boulet, tout le monde le sait depuis le temps. Alors. Tu m'en mets un ici. Ok, celui-ci. Ah, il va se mettre. Peu importe, l'un ou l'autre, j'ai envie de dire. On tape. D'ailleurs, vous savez qu'on va même le mettre là. Et donc ça. Non, tiens, ça a été renerf ce truc. Apparemment, c'est plus rapide maintenant. Ils ont écouté ma vidéo, je suis fier d'avoir contribué à jeter mon grain de sel sur des trucs qui n'avaient visiblement que peu d'importance. Mais je suis content quand même. Mini saloperie de tête de mort, mais. Voilà. Numéro 6. Ok, donc ça c'est bon. Hop, alors pour ici, ça va se passer comment? J'ai l'impression que ça va être la même en fait. Ça va être la même. Sachant que là, le milieu est ici. Donc ça sera sur ici. J'ai bien fait ça au milieu ici, on est d'accord. Hein. Bon, j'aimerais essayer de faire à peu près tout bien, hein, s'il vous plaît. Non, ouais, je l'ai pas fait bien. Hein. C'est pas drôle, je le fais pas bien, c'est pas. Voilà quoi. Hein. Hop. Ok. Et donc là même de ce côté-là. Ouh là, ça devrait, je pense, passer plutôt nickel. Alors attention, j'espère qu'avec 4 ça fonctionne, parce que sinon, je vais l'avoir très gravement dans le cul, moi je vous le dis. La petite sauvegarde qui va bien. Et je sais pas pourquoi, dès que ça va monter, je sens que ça va me connecter automatiquement. Donc ce que je vais faire, c'est je vais augmenter. Merde. Je vais augmenter l'altitude de ma base. Parce que sinon, je sais pas. Comme un léger avant-goût de.
de fail, vous voyez? Non, non, rien comme ça devrait faire l'affaire. Ok, allez, go, on ressort. Et on va construire tout ça. Allez, construis-moi ça. Parfait, merci. Au suivant. Au suivant, au suivant. Ok, ça c'est bon. Le troisième. Ok, ça marche. Et donc le quatrième. YOLO. Je sais pas pourquoi je sens la connerie. Je. Ah putain, j'arrive pas à m'en débarrasser de ce goût. C'est très chiant. Enfin, tu me diras, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de ce que je fais et que mon cerveau me dit non, 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 t'inquiète pas. Tu vas te planter. Tu te plantes toujours, de toute façon. Mon cerveau a peut-être raison. Hein. Mon cerveau a peut-être raison, après tout. J'étais un peu malade ce matin, j'aurais peut-être pas dû faire live sur Space Engineer. En fait, c'est ça, mon cerveau me parle. Ok, donc, la sauvegarde qui va bien, parce que là, je sens le fail, mais phénoménal. C'est phonumental. Phonumental. Ouais, on va dire ça comme ça, phonumental. C'est un mélange de phénoménal et de monumental. Bref. Hop. Attention. Pas de fail. Oh. Qu'est-ce que... What? Ça c'est... Ouah, ça s'est complètement planté. Ça c'est... Ah non, 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 les trois sont mis, c'est juste celui-là qui n'est pas vraiment à sa place. Ok, donc on va changer ça. Moi, je pensais que ça avait été mis totalement à côté, mais en fait, non, 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 ça va, c'est intelligent, c'est quand même... Ces conneries-là sont assez intelligentes, quoi qu'on en dise. Hop. Mais pourquoi je suis con, moi ? Pourquoi je l'enlève celui-là ? Hop. Et donc là, normalement... ouais, je vais faire un autre truc, parce que je le sens mal. On va voir si jamais ça fonctionne. Numéro 9. C'est bien... Non, là, c'est pas ça. Je savais bien que ça allait pas le faire. Ok. Hop. Donc là, normalement, ça devrait se connecter instant. Ah. Lui est bleu. Il est blanc ou il est vert? Non, il est vert. Lui, par contre, il n'est pas... Non, lui, il a pas l'air de vouloir, lui. Excusez-moi, chers amis. On va régler ça tout de suite. Je pense qu'il faut juste que je remonte et que je redescende, finalement, c'est tout. Sauvegarde. Oui, je prends l'habitude de sauvegarder, hein. M'en voulez pas, mais c'est pas comme si je me connaissais pas, ne serait-ce qu'un peu. Temps de carburant, 1065 années. D'accord, allons-y pour ça. Alors, les blocs de liaison. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors, par contre, lesquels sont les miens et lesquels sont pas les miens? Ça, c'est la grande question du jour. Donc, je vais tous les sélectionner et off. Voilà, comme ça. Oh, mais qu'est-ce que... What ? Toi, t'as toujours voulu dire que j'ai tout éteint, quand même. Ah, si, c'est ça, j'ai tout éteint, en fait. Ok, donc, disais-je. On est d'accord. Ces quatre-là, en fait, ce sont ces quatre-là, mes blocs de liaison. Hop. Ok, alors... Donc maintenant, je vais les rallumer. Hop, ok. Et donc, on va aller rallumer ceux d'en bas. À la main, pour le coup, vu qu'apparemment, j'ai pas trop moyen de faire autrement.
Encore faut-il qu'il y ait une espèce de bouton marche arrêt, tu vois. Panneau de contrôle, please. Voilà, tu me laisses ça là, t'es gentil. Il te faut quoi? Des composants de construction. Oh là là, ça m'énerve. Ok, composants de construction, quoi d'autre pendant que j'y suis? Affichage ordinateur. Tac, ordinateur et donc des affichages. J'ai ça quelque part ou pas? Vitre pare-balles, affichage, ouais. Vas-y, j'en ai 106, ça doit faire l'affaire. Bon. Alors ça, bien sûr, après, ce sera supprimé. Hop, voilà. Donc, les 4, tu me les allumes, t'es gentil. Maintenant, tu dégages, t'es encore plus gentil. Hop, on va monter par là. Ah, bordel de merde, mais tu vas rentrer dedans, hein? Ok. La sauvegarde qui va bien. Et attention, on redescend. Mais c'est que c'est progressif en plus. Mais c'est parfait ce bordel. Donc là c'est connecté, là c'est connecté, là c'est connecté, là c'est connecté. Bon écoutez, moi je dis que demande le peuple, c'est génial ces trucs. Ces trucs là c'est vraiment génial. Voilà. Voilà. Ok, donc bon bah on sauvegarde. Maintenant, on va aller démonter tout ce qu'on a mis en haut, parce que pour le coup, bah, ça sert plus à rien, on est d'accord. Hop, là pour le coup, ma base, normalement, ne risque plus du tout de s'envoler, j'espère. Parce que si jamais ça s'envole encore, malgré les blocs de liaison, j'en connais certains qui vont m'entendre, hein, notamment les développeurs de Space Engineer, bien être gentil, mais enfin, il ne faudra pas trop me prendre pour un con non plus. Hein. Tellement pratique ce truc-là. T'as pas besoin d'aller se vider l'inventaire à chaque fois. Je sens que je vais l'appeler soudeuse adorée. Enfin, meuleuse adorée. Ah, mais non, ça se barre! J'arrête de gueuler comme ça, comme une fillette. Ça va pas du tout. Ça. Tout va bien, ça se barrait, mais ça s'est stabilisé. Tout va bien, tout va bien. J'ai eu un léger moment de panique. Je vois des propulseurs qui se barrent en même temps, tu m'excuses, je ne peux que paniquer, hein. Toi d'abord. Merci. Toi ensuite. Tout va bien, tout va bien. Donc maintenant, la tour s'écroule. Pas touche au reste, surtout pas touche au reste. Ok, et bah c'est parfait, chers amis. C'est parfait, tout ceci est fait. Donc voilà, j'ai enfin utilisé les blocs de liaison. Enfin est le mot juste, hein, je pense. Hop, donc ce que je vais faire, étant donné que là maintenant c'est parfaitement aligné, je m'en vais creuser un trou. Juste ici. Et en fait, comment je vais faire pour que ce soit un truc souterrain? Bah c'est très simple. Hein, j'ai encore un truc sur moi. Qui s'appelle la foreuse. Voilà, toi tu dégages. Et donc c'est simple. Je vais creuser comme ça. Et donc je vais ressortir dans un coin ou un autre. Sachant que là il y a de la place pour un bloc. Donc pour moi ça me convient
Pour moi, c'est même juste ce qu'il y a de plus parfait. Donc voilà, chers amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous serez bien marrés à voir ma base qui se barre dans l'espace. Hein, malgré que ça n'aurait pas dû arriver, pourtant. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Space Engineer. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine !